Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Entretien, l'émission qui vous parvient tous les jeudis quand il est 21h sur vos petits écrans. Ce soir, nous recevons M. Balamoussa Konaté. Il est ingénieur en pont et chaussée, spécialiste des routes. Nous allons en débattre ce soir avec lui. M. Konaté, bonsoir. Bonsoir, M. Diakité. Merci une fois encore d'être avec nous sur ce même plateau d'Entretien. Ma première question, c'est de connaître votre point de vue aujourd'hui. Votre message sur la fièvre hémorragique à virus Ebola, c'est d'actualité. Avant tout, d'abord, il est de mon devoir de saluer nos nombreux téléspectateurs, tous les Guinéens en particulier. Vous venez de parler de quelque chose qui préoccupe aujourd'hui non seulement les Guinéens, la sous-région et même sur le plan international. Vous avez vu les réactions des grandes personnalités de ce monde-là, des grands noms de ce monde-là. Et je pense que ça veut dire que nous ne sommes pas abandonnés, loin de là. Je pense que, comme l'a dit notre cher président, certes, c'est un mal, mais ce n'est pas une fatalité. Je demande à tous mes compatriotes de suivre les consignes données par les spécialistes de la lutte contre ce virus. Merci pour ce message, M. Konaté. Nous revenons dans notre sujet. Vous êtes spécialiste en pont et chaussée. Aujourd'hui, on parle de la route. Oui. L'insécurité sur les routes. Tout d'abord, c'est quoi la route? Et quelles sont les différentes parties d'une route? Aujourd'hui, on sait qu'en Guinée, on en parle peu, l'insécurité routière. Vous, en tant que spécialiste, la route, c'est quoi? Et quelles sont les parties de route? Quel est aujourd'hui votre constat par rapport aux routes de la République de Guinée? Bon, je ne vais pas développer une définition extrêmement technique ici, parce qu'il s'agit de vulgariser cette connaissance, autrement dit, tout ce que vous voulez savoir sur la route. Donc, je ne parle pas forcément aux techniciens, je parle pour que la mentalité collective soit améliorée par rapport à ce qui est notre un domaine qui nous permet d'aller de l'avant. Alors, je dirais tout simplement que la route, c'est cette infrastructure de transport réservée aux véhicules, aux automobiles, aux motos, aux vélos et même aux piétons. Vous comprenez? Ça, je ne vais pas aller très loin parce que je vais rentrer dans le domaine de la technique. Mais il faut que j'aille un peu loin. D'abord, la route, alors, son événement date de l'histoire de l'humanité. Vous savez, l'ancêtre de la route, c'est avant tout le sentier, ce chemin qui est emprunté par les hommes, c'est-à-dire en file indienne, comme on dit souvent. D'un point B à un point, d'un point A à un point B. Oui, c'est toujours comme ça. Mais vous savez, à la période des cueillettes, c'est-à-dire quand l'homme était encore à la phase de la cueillette, hein, des chasses primaires, tout ça là, hein, les hommes marchaient pour aller à la recherche de leur quotidien. Donc, les voies qui se frayaient comme ça, ce qu'on appelle le sentier, c'est l'origine même de la notion de route. Mais plus tard, au moins deux ou trois siècles avant Jésus-Christ, l'inspiration des routes modernes a commencé. Je ne citerai pas tout, mais je vais prendre par exemple la route appienne, c'est-à-dire qui quittait Brindisi jusqu'à Rome en passant par Capoue. Hein? Ça, c'est en Rome antique. Hein? Donc, cette route-là avait été tellement bien faite, d'après l'inspiration qui nous a envoyé jusqu'à aujourd'hui, qu'on peut citer ça comme étant une référence. Hein? Il y a des routes pharaoniques, il y a des routes chez les Incas en Amérique, hein, etc., etc. Mais alors,
À partir de l'inspiration occidentale précisément est partie effectivement de la route appienne, des Apis. C'était un, comment je peux l'appeler, c'était un administrateur romain qui a initié, ou tout au moins qui a vraiment dirigé ces travaux-là. Alors, plus tard, vers le 19e siècle, avec l'ingénieur britannique qui s'appelle Mac Adam, a fait des types de routes à partir de l'empierrage. C'est-à-dire, il prenait des blocs de pierre de dimensions différentes, les intercalait avec de l'argile, du sable, etc., après avoir bien traité le fond pour permettre l'évacuation des eaux en profondeur, etc. Ça a été quand même extrêmement important. Il y a eu aussi un autre ingénieur français de là qui a fait ça. Progressivement, et avec le développement économique de l'homme, dont la route ne peut pas être en dehors, je pense qu'on est parvenu aujourd'hui à ce qu'on appelle les routes modernes. Donc, les routes modernes, vous avez par exemple précisément la partie la plus importante de la route, parce que vous êtes en train de me dire de définir les différentes Les parties de la différentes route. parties de la route. La partie la plus importante de la route, c'est la chaussée. La chaussée peut être un seul courant de circulation. Il y a des routes comme ça, c'est rare. Si ce n'est pas le cas, même chez nous ici, c'est ce qu'on appelle le sens interdit. Il faudrait que tout le monde marche sur le même sens, sur la même direction. Il n'y a pas sens aller-retour. Donc, il y a des chaussées à sens unique. Mais généralement, les chaussées sont à double sens. Vous comprenez? Donc, chaque sens est appelé bande de circulation. L'ensemble de ces bandes de circulation, c'est ce qu'on appelle techniquement la chaussée. La chaussée, c'est la partie réservée exclusivement à la circulation des véhicules. Entendez par véhicule tout engin qui se déplace, que ce soit motorisé ou non motorisé. Par exemple, le vélo, c'est un véhicule, mais non motorisé. La moto est un véhicule, mais motorisé. L'automobile, automobile qui se déplace de lui-même grâce à une action qui est beaucoup plus commandée à partir d'un tableau de bord, etc. Alors, on a même fait la différence par rapport à la moto. Parce que l'automobile est, l'avènement de l'automobile est plus lointain que celui de la moto. Donc, à part donc la La chaussée, chaussée. vous avez sur les deux extrémités de la chaussée ce qu'on appelle, je suis en train de parler des routes en rase campagne, parce qu'il y a une différence entre les routes urbaines et les routes en rase campagne. Donc, en termes de routes en rase campagne, vous avez sur les deux extrémités de la chaussée ce qu'on appelle les bandes d'arrêt d'urgence, BAI, autrement dit, les accotements. Ça sert à quoi? Ça, c'est les accotements, ça sert, comme j'ai dit, bande d'arrêt d'urgence, ça c'est le terme technique. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de circuler sur la voie normale, sur la bande de circulation, des fois, pour des raisons multiples, vous pouvez garer à côté. Pour le véhicule en panne. Panne ou bien pour des raisons beaucoup plus multiples, peut-être que vous voulez faire descendre quelqu'un, ou bien, etc., etc. Les raisons sont multiples parce que ça se fait. Je vais avancer un peu. Donc, l'arrêt que vous faites là, c'est ce qu'on appelle bande d'arrêt d'urgence, qu'il ne faut pas confondre avec le stationnement, qui est en termes de temps plus long. Donc, souvent, cette bande d'arrêt d'urgence, l'accotement de part et d'autre, sa largeur est relativement égale à la moitié d'une bande de circulation. Parce qu'il faut quand même économiser. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez les deux bandes de circulation là, vous ajoutez à la chaussée, l'ensemble forme ce qu'on appelle la plateforme routière. Ensuite, au-delà des deux bandes de circulation, je suis en train de parler des routes type, là où tous les éléments que je vais citer se trouvent. Au-delà donc Ça, c'est une de, route normale. oui, une route normale D'accord. typique, il y a d'autres routes qui sont normales, mais qui n'ont pas tous ces éléments-là. La normalité dépend de la commodité. Mais quand même, définition une route où on peut tout trouver, ou relativement. Donc, au-delà des accotements, vous avez effectivement que les accotements, plus comme je disais,
la chaussée, l'ensemble forme la plateforme routière. Donc, lorsque vous dépassez ce domaine-là, soit c'est le talus, hein, le pied du talus, parce que quand vous faites le remblai, c'est pas une crête droite, c'est vraiment le pied pour permettre, n'est-ce pas, à cette masse compacte d'être stable. Hein. Donc, le talus que vous faites là, le pied du talus, jusqu'à la limite des pieds du talus, on appelle ça l'assiette routière. Ou c'est les pieds du talus où, à ce niveau-là, il y a les fossés drainants, c'est-à-dire des fossés longitudinaux, ou des fois, si c'est en centre-ville, on appelle ça caniveau. Si les caniveaux existent de part et d'autre, hein, de cette route-là, alors quand vous prenez le côté extrême de ces deux caniveaux, hein, vous ajoutez à l'ensemble que je venais de citer là, c'est ce qu'on appelle l'assiette routière. Maintenant, lorsque, au-delà de tout ce que je viens de dire là, il y a quand même une réserve publique, c'est-à-dire là où souvent il y a les lampadaires, là où on peut, en centre-ville par exemple, il y a des espaces verts qu'on aménage, etc. En tout cas, la limite du domaine public, c'est par rapport au domaine privé, même si c'est en brousse, il y avait les champs des riverains, etc. Okay. La limite entre la différence, la limite entre le domaine public et le domaine privé, quand vous prenez sur les deux extrémités, vous ajoutez à tout ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle l'emprise routière. C'est extrêmement important, l'emprise routière, parce que pour permettre à la population, en termes de droit public, définition la route comme étant l'emprise. L'emprise peut être définie en quelque sorte comme l'emprise routière peut être définie aussi comme la route, puisque à chaque fois qu'on a besoin d'intervenir sur la route pour ne pas gêner la circulation, hein, les intervenants peuvent, par exemple, nous qui réparons les routes, ou bien qui intervenons pour des raisons diverses, hein, ce sont les réserves-là qui peuvent servir effectivement de travailler normalement. Ou s'il faut élargir la route éventuellement, il n'est pas question de venir casser encore chez les gens. Bon, maintenant, la route. En ville, les routes changent de nom, ça s'appelle les rues. Les rues ou la rue, c'est une route, effectivement, mais bordée par les habitations. Une fois que la route est bordée de part et d'autre par les habitations, d'une façon très significative, c'est ce qu'on appelle la rue. Maintenant, il y a les boulevards et il y a les avenues. Tout ça, là, c'est des détails. L'avenue, c'est une large rue, longue, mais vraiment très large. Alors que le boulevard, c'est aussi une large rue, mais qui est bordée de végétation. Par exemple, quand vous prenez entre Amdalaï et Dixine, vous verrez que même juste avant d'atteindre les caniveaux, un peu dans le domaine relativement de la chaussée, hein, au niveau des bandes d'arrêt d'urgence là, vous verrez qu'il y a des petites plantations d'arbres. Hein, ça rend joli, ça fait partie de l'environnement, etc. Mais, écoutez, je suis en train de parler ça à certains. Moi, je suis, en tout cas, j'ai vocation d'être un ingénieur visionnaire. Je pense que c'est possible dans ce pays que nous fassions des routes qui peuvent défier et le temps et même qui peuvent rendre notre vie agréable. On en revient tout à l'heure avec vos propositions par rapport aux routes en Guinée. Donc, je continue, je finis parce que vous avez posé une question qui est extrêmement importante. Ça permet à chacun de savoir son devoir et son droit. Les caniveaux ne sont pas faits pour comme poubelle. C'est pas un dépotoir comme on voit chez nous ici. Il faudrait que... Moi, je n'accuse pas beaucoup nos populations jusqu'au moment où on va essayer, nous les techniciens, de leur sensibiliser davantage, de leur faire comprendre la situation globale. Maintenant, une population éveillée, rarement une population éveillée peut faire certaines choses qui peuvent se retourner contre elle-même. Vous voyez, toutes ces épidémies-là trouvent généralement leur source dans le manque d'hygiène. Comment vous pouvez cohabiter avec des immondices comme ça, chez vous-même, et vous dites que ah, ça c'est tant pis pour les pouvoirs publics. C'est avant tout, c'est vous qui... Les conséquences, c'est sur vous-même. La population. Vous voyez. Donc, les caniveaux ne sont pas faits pour l'évacuation des déchets solides. C'est fait pour les déchets liquides.
dans l'assainissement, il y a la partie hydraulique, il y a la partie déchets solides. Le traitement des déchets solides, ce n'est pas à travers les caniveaux, etc. Il faudrait définir ça. Et donc, l'accotement, si c'est en centre-ville, eh bien, on appelle ça trottoir. C'est réservé pour la circulation des piétons et aussi pour les mineurs, même quand ils sont sur moto, du moins quand ils sont sur vélo. Vous voyez, ça, ce sont des composantes fragiles de la circulation, autrement dit, de piétons ou bien d'usagers de route, vous comprenez, etc., etc. Je pense que c'est ce qu'on a beaucoup à dire. Je ne vais pas aller trop loin. Nous allons avancer parce que je ne veux pas... Un seul mot. Quand vous avez affaire à des chaussées, comme la route 2x2 voies, les 2x2 voies qu'on est en train de construire là, l'îlot central là qu'on appelle le terre-plein central, c'est un terme technique. Alors, qu'on appelle le séparateur de chaussées, c'est un dispositif sécuritaire. Parce que avec la vitesse, les routes là sont faites pour rouler à grande allure. Alors, je crois que surtout la réverbération de la lumière pendant la nuit, ou même quand il y a tellement de fils qui se communiquent entre elles là, je parle de la file de circulation, il faudrait donc créer quelque chose pour démarquer un peu les deux sens. C'est ce qu'on appelle le séparateur de chaussée. Est-ce que sur la route qu'on est en train de construire? Mais bien sûr, vous ne voyez pas, quand vous voulez, à Madina par exemple, là où les gens sautent souvent pour être de l'autre côté, vous voyez, c'est sous forme de bordure là, qui a une hauteur des fois jusqu'à 1 mètre là. C'est ça qu'on appelle le séparateur de chaussée, qu'on appelle terre-plein central. Vous comprenez? Ça sert donc, c'est un dispositif sécuritaire. Les gens font de l'amalgame. Partout où ils voient ça, ils disent que c'est de l'autoroute. Non, l'autoroute, c'est à la périphérie de la ville. Dès que l'autoroute se trouve en ville, ça change de nom. Ça devient alors une voie principale urbaine. La voie principale urbaine. Donc ce qu'on appelle actuellement l'autoroute, on devrait normalement l'appeler voie principale urbaine. À partir du moment où vous ne pouvez pas faire la grande vitesse, à partir du moment où souvent vous vous arrêtez pour prendre des passagers, ce n'est plus l'autoroute. Sur l'autoroute, l'autoroute n'est pas faite pour les piétons. L'autoroute, en principe, on doit s'arrêter. Les arrêts que j'appelle stationnement, sont réservés sur l'autoroute à chaque 20 km. Là-bas, vous avez même souvent des endroits aménagés parce que vous avez à vous reposer, il y a même des restaurants, etc. Je souhaite qu'avec ce vaillant président-là, que la Guinée réussisse. Nous verrons de belles choses et nous sommes là pour l'accompagner. D'accord, vous êtes là pour l'accompagner. Aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste, quel regard portez-vous sur l'état des routes en République de Guinée, malgré tous les efforts? Bon, je ne vais pas me jeter des fleurs en disant que je prends la responsabilité collective, en disant que je fais partie du lot des techniciens. Non, je veux que vous parliez en tant que technicien. Je dis bien le lot des techniciens. Je dis, je me mets dans le lot des techniciens, donc je suis dans la responsabilité collective en disant que c'est pas tellement réjouissant pour le moment pour dire que nos routes sont très bonnes. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Mais je crois qu'on est en train de faire du chemin. Mon souci est que ce qu'on est en train de faire là soit différent de ce qu'on a fait dans le passé, à savoir tout faire pour que ça soit garanti. Je pense que la garantie relève et de la construction et de l'entretien, et surtout, et ça implique la population, de la façon de tenir ces infrastructures-là. Autrement dit, la manière de l'exploiter. Exploiter une route, c'est dans les conditions bien définies. Mais utiliser la route comme lieu de commerce, utiliser la route comme dépotoir, ça ne fait pas partie de la destination classique de la route. Même si vous connaissez à l'intérieur, ça existe peu, utiliser la route comme un marché, mais on constate toujours que les routes sont très dégradées. Oui, bon, c'est pourquoi je vous dis que on a du chemin à faire. Et je crois que même les routes qui sont en train d'être réparées, il y a à dire. Qu'est-ce qu'il y a à dire?
Il a dit, parce que de toutes les façons, il faudrait que les règles de l'art soient suffisamment respectées. Ce qui veut dire que les routes qu'on est en train de réparer, les règles de l'art ne sont pas respectées. Non, pas parce que ce n'est pas respecté, mais il y a toujours quoi dire. Vous savez, entre l'excellence, la perfection n'est pas humaine. Autrement dit, l'homme n'est pas parfait, mais notre objectif est d'aller vers la perfection. Donc, on peut toujours mieux faire. Vous comprenez? Nous savons surtout là où nous venons. Hein? On a fait suffisamment de routes ici, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il faudrait éviter ça. Moi, je suis dans une logique, je n'aime jamais apprécier ce que je fais à l'instant. C'est le temps qui va définir. Est-ce que vous ne pensez pas que les routes doivent être bien faites de telle sorte que pour éviter les accidents de circulation qui causent, qui sont vraiment, selon d'autres observateurs, la cause de certains accidents? En réalité, quand nous faisons les routes, nous avons les trois objectifs suivants. Premièrement, c'est la fluidité. Faire la route pour qu'effectivement les gens se déplacent d'un point A à un point B. Secondo, il faudrait que ce déplacement se passe dans le confort de commodité, confort visuel, confort dynamique. C'est des termes techniques. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous n'ayez pas trop de problèmes pour pouvoir toujours regarder, ah, je ne vois pas bien la route, je ne vois pas bien la route, parce qu'il y a souvent des sommets de montagne, parce qu'il y a souvent des rétrécissements où il y a trop de virages, etc. Je crois que ça fait partie de notre mission. Confort dynamique, il faudrait que qu'il n'y ait pas trop de secousses sur la chaussée, sur la couche de roulement. Hein? Qu'il n'y ait pas trop de petits problèmes quand même liés à l'équilibre du véhicule. Tout ça là, c'est extrêmement important dans notre métier. Mais le facteur incontournable, sinon, à quoi sert la route? Ça, c'est la sécurité. La sécurité consiste à permettre aux gens d'exploiter à bon escient la route sans problème, sans problème, sans se faire tuer, sans se casser les jambes, sans gâter son véhicule, etc., sans même détruire l'infrastructure routière. Hein? Mais pour répondre un peu à votre question, tout en essayant de revenir encore à la question précédente, c'est que pour que nos routes nous rapportent davantage, et c'est ça ma mission, en tout cas en tant que quelqu'un qui aime apporter son grain de sel à travers des communications, parce que pour le moment, ce n'est que ça que je vais m'inviter. Et mon objectif n'est pas parce que je cherche un poste. Non, 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 ce n'est pas ça. Mais je me dis que tout le monde ne peut pas être président à la fois, président de la République dans un pays. Tout le monde ne peut pas être ministre de la République en même temps. Tout le monde ne peut pas être directeur de quelque chose en même temps. Mais tout le monde peut en même temps servir la nation. Il n'y a aucune honte dans ça. Je le ferai tant que Dieu me donnera le souffle de vie. Vous comprenez? Pour que donc nos routes nous rapportent, il faudrait de la quantité, il faudrait de la qualité et il faudrait de la sécurité. Quantité. Parce que ce qui peut être partagé sur un grand, au niveau du grand ensemble, et que la qualité permet franchement d'utiliser ça constamment, et que cela ne pose pas de faux problèmes de vie, de dégâts matériels, etc., je crois que c'est l'objectif général de tout ce qui peuvent, tous ceux qui veulent contribuer au développement économique de la nation. En tout cas, pour le cas de la Guinée, c'est ce qui me concerne. Et donc, la sécurité est un maillon fort. C'est pourquoi il y a deux corps, non des moindres, hein, des services de sécurité qui sont affectés à ce travail, à savoir la police routière et la gendarmerie routière. En France, c'est vrai, quand la route a commencé à donner assez de problèmes aux usagers, il y avait des organisations qui s'occupaient effectivement de la sécurité routière, mais la police a été commise à cette tâche et de façon vraiment formelle à travers un décret présidentiel en 1939. Et depuis lors, dans les pays hautement développés, je crois que à ce niveau-là, on ne peut pas, de façon exhaustive,
dire tout ce qui a été fait comme progrès. Mais pendant ce temps, dans ces pays, les accidents de la route sont fréquents. Que dire de nos routes chez nous où, quand même, il y a assez de choses qui manquent? Très dégradées, il faut le dire. Dégradées, mais même dans la mentalité. Une route qui est dégradée, certes, est un facteur accidentogène, mais tout dépend de l'homme. Dans l'esprit de l'homme, il faut qu'il y ait le raisonnement, qu'il y ait le discernement. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire la grande vitesse, quand est-ce qu'il ne faut pas. Monsieur Konaté, excusez-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ces observateurs qui disent que la dégradation poussée des routes est la cause aujourd'hui des accidents et de l'insécurité? Bon, la dégradation de nos routes est au cœur de beaucoup de problématiques, y compris la baisse du pouvoir d'achat. Parce que vous savez, quand la dégradation de la route est telle que vous avez tous les problèmes de vous déplacer d'un point A à un point B du territoire national, vous voyez ce que ça fait comme problème. Et même pour aller au travail, quand l'état de la route, ça ne veut pas dire que la société est dénichée, mais quand la géométrie, tout ce qu'il y a comme composante de la route ne permet pas, n'est-ce pas, de remplir la fonctionnalité en termes d'exploitation, je crois que c'est des problèmes. Mais la dégradation dans un sens beaucoup plus large, en amont d'abord, pendant la construction ou juste après la construction, quand vous n'avez pas mis les balises de pré-signalisation des dangers, comme l'entrée des ouvrages, des grands ouvrages, comme les grands remblais, comme les virages dangereux, vous avez vu, tout va finir par la désolation. La route ne va pas être ce que vous avez voulu. Vous comprenez? Ensuite, quand sur la route, vous n'avez pas les panneaux de signalisation horizontale, c'est-à-dire, je vais dire, la signalisation horizontale, les bandes blanches, etc., qui ont un rôle extrêmement important à jouer, ça joue sur la rentabilité de la route. Mais, puisque ces éléments-là n'existent pas le plus souvent chez nous, alors, ça démoralise, ça ne permet pas, surtout aux jeunes conducteurs, qui constituent quand même la composante la plus fragile parmi les conducteurs, les usagers en termes de conduite, eh bien, dans les auto-écoles, la plupart ont appris des choses classiques. Le panneau de signalisation, c'est ça. Mais dans la pratique, ils ne voient pas ça. Pour un débutant, c'est des problèmes. Alors, finalement, d'autres mentalités vont naître. Je connais des villes, puisque je viens de séjourner à l'intérieur du pays, où pour quitter là où on se trouve, à savoir un sens, pour aller dans le sens, dans un autre sens, ou bien pour tourner à droite ou bien tourner à gauche, il ne suffit pas de clignoter avec le fait de signalisation, parce que c'est une signalisation lumineuse, ça. Les trois signalisations verticales, horizontales et lumineuses. Il ne suffit pas de clignoter. Non, il faut faire sortir ton bras. Oui, même à Conakry, on le voit. Eh bien, les mentalités commencent à s'installer. C'est pourquoi il faut communiquer. Le rôle de l'intellectuel, c'est de former des opinions, mais positivement parlant. C'est pas normal quand on sort la main à la place d'un client. Eh bien, c'est ça. Donc, je crois qu'en éduquant davantage les gens, ils vont comprendre beaucoup de choses. Donc, la dégradation de la route est un élément, c'est-à-dire, est à la base de ça. Parce que il n'y a pas de panneau de signalisation, il n'y a rien. La route ne parle pas. Donc, les gens sont obligés de se créer. La faute à ça, c'est pas à vous, les ingénieurs. Normalement, quand tu as un marché pour construire une route, il faut prévoir tout ça avec celui qui te donne le marché. Bon, vous parlez comme si on est dans un régime communiste où quand tu veux seulement, ça se fait. Non. Nous sommes dans un régime relativement libéral. Ça veut dire que moi qui vous parle, je suis un volontaire. Je viens pour dire ce que je peux dire. Oui, j'ai ça à vous communiquer. Mais sur ce si c'est une responsabilité faites collective des techniciens, je concède ce que vous dites. Voilà, c'est de ça que je veux parler. Oui, mais écoutez, vous pouvez vouloir, mais il faudrait que l'argent soit là pour réaliser, pour matérialiser. Oui, mais là, il ne faut pas se limiter à faire un boulot qui n'est pas normal parce que vous avez eu peu d'argent. Il faut faire comprendre à celui qui te donne le marché, on a besoin de ça, ça et ça pour que ça soit normal. Alors, mes chers compatriotes, mes frères techniciens,
on est tous interpellés. Ça, il y en a qui ont pour devoir, qui ont pour mission de répondre à cette question. Alors, je pense Monsieur que Balamoussa, moi je pense que je c'est, suis avec. et ils sont mieux placés pour dire pourquoi ils ne le font pas. Oui, moi je suis avec toi Mais je sur ce sais quand point même que sur. la dégradation de la société, de la route globalement parlant, a des conséquences dramatiques sur la sécurité routière. Puisque quand ça n'existe pas, quand les éléments sécuritaires ne sont pas installés, ça change la mentalité, ça dégrade les mentalités. Les gens se créent d'autres signes de communication, comme je viens de dire là. Et finalement, puisque ce n'est pas quelque chose qui peut toujours coller, alors voilà, les conséquences sont dramatiques Ok. en aval finalement. Je Donc c'est suis important. avec vous sur ce plateau d'entretien, vous en tant que technicien. Et l'autorité qui vous appelle aujourd'hui pour vous donner un contrat pour la construction d'une route, vous faites d'abord un plan. Et bien sûr. Voilà. Maintenant, sur ce plan, pourquoi ne pas prévoir les panneaux de signalisation? Vous ne le faites pas, mais il faut prévoir dessus, sur le Mais plan. tout est prévu, mon frère. Mais pourquoi ce n'est pas réalisé? Eh La faute à bien, l'autorité alors? mon frère, moi, je n'occupe aucune facette de pouvoir pour dire que je ne peux que constater. Il y a cependant des endroits où on a fait ça. Quand je prends, par exemple, la route qui quitte 8 novembre pour aller en ville, tout est là. Mais est-ce que les usagers respectent les panneaux de Mais là, signalisation? est-ce que c'est la faute aux usagers? Il y a la police Mais routière pour veiller sur ça. écoutez, s'il vous plaît, quel est le rôle de la police? Souvent, je vois que les gens accusent trop la police par rapport à beaucoup de choses. La police est là pour trois missions. Lesquelles? D'abord, ce n'est pas la police qui élabore le code de la route. De passage, je vous dis que le code de la route, c'est l'ensemble de tout ce qu'il y a de normes, de conventions, de prescriptions. En tout cas, grâce auxquelles on peut faire utilisation de la route. Vous comprenez? Au niveau du code de la route, vous avez quatre composantes. Permettez-moi de profiter de votre question pour aller un peu plus loin. Parce qu'il s'agit de d'éveiller davantage la conscience de nos compatriotes. Allez-y, allez-y, on en reviendra. Le code de la route a quatre composantes fondamentales. Premièrement, les règles liées, hein, à la circulation. C'est ce que nous sommes en train de dire là, des panneaux de signalisation, etc. Quand est-ce la façon de stationner, hein, etc. Il y a tout un tas de prescriptions pour ça. Ensuite, il y a les règles liées au comportement des usagers, que vous soyez piéton, que vous soyez conducteur, etc. Il y a même les règles liées au comportement des policiers aussi, de tous les services de sécurité, à savoir routière, bien sûr, même la gendarmerie routière. Et il y a les règles liées aux équipements des véhicules. Il faut qu'un bon véhicule, c'est un véhicule qui a tous les éléments fonctionnels, à savoir clignotant, enfin les feux de signalisation, hein, un bon volant, les freins bien réglés, les phares. Vous comprenez, globalement parlant. Sinon, s'il n'y a pas ça, je crois que de toutes les façons, vous êtes en infraction, peut-être mineure. Mais la quatrième composante du code de la route, c'est les règles liées aux sanctions liées aux infractions commises. Parce qu'il y a trois types d'infractions, selon moi. Il y a les infractions mineures, il y a les infractions courantes, que j'appelle classiques, que tout le monde remarque constamment, et il y a les infractions majeures, que j'appelle, si vous voulez, l'excès d'imprudence. Donc, je pense que tout ça là relève de la formation. Mais est-ce que les usagers, pour se dire usagers, enfin, tout le monde est presque usager, parce que tout le monde est piéton. Je ne vois pas une personne qui peut vivre, en tout cas dans un bassin d'habitation, s'il n'emprunte pas la route. Mais tous ceux qui sont conducteurs, pour se dire conducteurs, il faudrait maîtriser les règles élémentaires de la conduite, à commencer par le permis. Est-ce que nos permis sont octroyés avec les règles de l'art? Monsieur Mais Balamoussa, moi je vous. finalement, parce qu'il s'agit de parler un peu de la police. Ce n'est pas la police qui autorise à X ou à Y de faire usage de la route en termes de conduite. Oui, Mais on les envoie des gens qui n'ont aucune notion basique en la matière. la Et police doit finalement, se finalement, mouiller au quand ceci. respect de ses lois, monsieur Finalement, Balamoussa. quand. S'il vous plaît. Finalement, quand tous ces gens-là ne font rien de bon sur la route et vous accusez la police, vous savez qu'il y a
Non, mais attends, moi je pense Vous que, moi, savez je pense qu'il que y on a, qu'il y accuse la a. police, parce que la police est chargée de veiller au respect de ces règles. Oui, mais s'il vous plaît, vous êtes là. D'abord, la route, nos routes manquent beaucoup, beaucoup d'éléments, y compris au niveau des carrefours. Hein, les panneaux de régulation, hein, panneaux tricolores, bien sûr, de régulation de la circulation, ce sont les policiers qui font ça. Ils ne font rien, ça, vous pensez? Et moi, je vois des policiers en Guinée, excusez-moi, je ne suis pas leur valet, mais je crois qu'eux aussi, ils ont besoin de la formation, mais de façon extrêmement importante. Ils sont mal, en général, beaucoup ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Il faut permettre souvent aux policiers, surtout au sommet, d'aller apprendre ailleurs pour venir un peu fléchir le Je mauvais constate comportement que de vous certains pointez policiers. du doigt trop les usagers de la route. Non, 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 Ce n'est non, non, pas. non. Je suis en train de faire une certaine balance où chacun, c'est-à-dire là-dedans, tout le monde a sa part. On vient de dire, nous les techniciens, notre part, on est en train d'aller progressivement. Les policiers ont des défauts. Mais en Guinée, si vous pouvez voir quand votre véhicule tombe en panne, vous pouvez voir un policier, les policiers qui vous aident à vous C'est dépanner. normal? Oui, parce qu'ils font pourquoi passer, c'est pour dégager la circulation. Ça, ce n'est pas petit. Sinon, ils ne sont pas formés pour ça. Je dis bien que en Guinée, les policiers ont besoin de beaucoup de Quand tu n'as formation. pas le permis aussi, il suffit que tu donnes 5 000 francs pour qu'on te laisse passer. Bon, attendez, qui donne les permis? C'est les policiers? Non, Ce sont les policiers? ce ne sont pas les policiers. Il y a Bon, bon, la mais responsabilité est partagée. c'est pourquoi les policiers ont leur part là-dedans. Je suis d'accord. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord que tout le fardeau leur revienne. C'est ça mon problème. Non, moi je pense que la responsabilité est partagée. Bien Donc sûr. il faut situer la Oui, responsabilité. mais en Guinée, nous sommes habitués à critiquer, mais personne n'a la solution. Et la solution passe forcément par nous-mêmes. Chacun a une part de contribution. Souvent, les autres sont mauvais, c'est nous qui sommes bons. Moi, je suis contre cette logique-là. Je suis d'accord qu'on a beaucoup à apprendre aux policiers. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont responsables entièrement de tout ce qu'on ne va pas. Hein, surtout en démocratie, chacun se gère soi-même. Hein, on est souverain. Cela veut dire que notre conscience doit nous guider avant tout. Je crois que c'est une question de mentalité. Ok, Monsieur Balamoussa, Oui. vous en tant que spécialiste en ponts et chaussées, vous aussi connaissez à merveille dans la sécurité routière. Quelle est votre proposition aujourd'hui, parce que le peuple de Guinée vous regarde à travers cette émission, pour remédier à tout cela? Bon, ma solution n'est pas miracle. Je pense que tout ce que je suis en train de faire, c'est des propositions de solutions. Il s'agit de changer la mentalité. Mais il faudrait que, pour capitaliser tout ce que les uns et les autres vont dire par rapport à ce sujet-là, il s'agit de créer un organe central que j'appelle l'Observatoire national à la sécurité routière. Ça n'existe pas? Non. Donc il faut Maintenant, créer. il faut créer ça où tous les intervenants, tous les acteurs concernés, y compris ma modeste personne, C'est très important ce que vous êtes en puissent. train de proposer. Je veux que vous reveniez dessus. Qu'est-ce qu'on doit créer réellement? L'Observatoire national à la sécurité routière. Vous voyez déjà l'observatoire, le mot. Hein? Il s'agit de trouver un organe qui peut non seulement permettre à chacun d'intervenir, mais aussi, ensemble là-bas, de capitaliser toutes ces interventions et que les solutions qui seront prises soient pérennes. Parce que le problème chez nous, c'est ça. Hein? Plusieurs fois, la police a pris des décisions ici. Hein? Et, par exemple, les sens uniques sur certaines artères, mais avec le temps, c'est tombé dans l'eau. Pourquoi? Parce que il faut des organes de veille. Il faudrait quand même certaines personnes qui ont pour mission de veiller au respect permanent de ces bons exemples qui émanent effectivement de notre réflexion, de notre conscience fertile. Je pense que en Côte d'Ivoire, au Mali, l'année dernière, j'ai regardé la télé Mali, hein, la télévision malienne. C'est une dame même qui occupait ce poste-là. Mais elle intervenait avec brio. J'aime prendre chez les autres tout ce qui est bon pour que mon pays soit le meilleur. Je crois que ce n'est pas compliqué en France. C'est monnaie courante là-bas. Je crois qu'avec ça, je ne serai pas obligé chaque fois de venir à la télé
ou bien à la radio pour parler. Et je crois que tout le monde n'a pas le temps ou n'a pas la capacité de comprendre jusqu'où je vais aller. Et quand je suis dans un endroit où je me retrouve avec les siens, je pense que ça peut aller. D'accord. Aujourd'hui, si on vous écoute et qu'on crée l'Observatoire national de la sécurité routière, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Justement, c'est ce que je dis. Par exemple, moi, j'ai même envie de faire, bon, ça c'est mon secret personnel, de faire un petit ouvrage sur les notions fondamentales de la sécurité routière applicables dans notre pays. Je crois que tant d'autres qui ont des esprits fertiles peuvent faire plus que moi. Mais ça, c'était un exemple, par exemple. Mais de toutes les façons, une tribune où tous ceux qui veulent apporter leur pierre pour l'édification d'une politique nationale de sécurité routière pérenne puissent intervenir. C'est comme ça dans les autres pays. C'est comme si vous dites Académie des sciences, quelque chose où chacun peut faire quelque chose. Moi, je pense que chez nous, nous pouvons même faire des innovations. Parce qu'en termes de sécurité routière, comme dans tous les autres domaines, il y a ce qu'on appelle la sociologie de la conduite. La façon que vous faites la conduite aux États-Unis, pas forcément en Guinée comme ça. Tout est lié à la mentalité. Chaque peuple a sa culture. Je crois que l'adaptation de ce qui doit nous rapporter doit être en conformité avec ça. Je crois qu'en Guinée, on peut faire quelque chose qui peut faire des jaloux ailleurs. Je crois que j'ai des idées comme ça. Qu'est-ce qu'il faut alors dans ce sens pour changer un peu la mentalité des Guinéens? Est-ce qu'il faut sensibiliser par la voie de presse comme vous le faites à ce moment? Est-ce qu'il faut demander aux policiers d'être vigilants, rigoureux sur les sanctions? Qu'est-ce qu'il faut réellement, vous, en tant que spécialiste? Bon, je ne suis pas pour la rigidité au niveau des policiers, et même ils ont besoin de la formation. Je crois que pour un peuple qui a besoin d'apprendre beaucoup de choses, il faut être un peu pédagogue. C'est ce que, par exemple, notre président fait. Il faut permettre à la population de consommer progressivement ce qui est même bon pour eux. Pour elle. Je crois que c'est ce que d'autres grandes personnalités du pays aussi font. Le président n'est pas l'exception. Je crois qu'il y a beaucoup de Guinéens qui ont le bon sens, qui ont vraiment la bonne volonté. C'est ce qui doit même être la fierté du dirigeant quand il sait qu'il y a beaucoup de compatriotes qui partagent ses avis. Je crois qu'en Guinée, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Tout dépend de l'apport des uns et des autres. On peut faire le battage médiatique, mais ça ne suffit pas. On peut faire d'autres choses. On peut accentuer la formation. On peut faire beaucoup de choses. On peut former davantage la police routière. De passage, je vous dis que la police routière n'est pas, eux, la gendarmerie routière ne sont pas les seuls gestionnaires de la route. Il faut impliquer davantage les syndicats de transport. Il faut impliquer surtout le ministère des Transports. En réalité, après la construction des routes, le patrimoine routier appartient au ministère des Transports. Vous comprenez? L'affaire de carte grise, l'affaire de vignette, l'affaire de plaque minéralogique, là. Je crois que impôts et ministère des Transports, ce sont ces deux entités-là qui se partagent ça. Je crois que elles doivent être mises en contribution pour faire améliorer la chose. C'est extrêmement important. Ok, l'une de mes questions, parce que nous sommes un peu pris par le temps dans cette émission. Aujourd'hui, en Guinée, le constat est que pendant la saison des pluies, il y a des routes qu'on essaye de renouveler. En termes techniques, je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Est-ce que cela est normal? Renouveler dans quel sens? Parce qu'il s'agit de situer quel type de renouvellement. En fait, quand la route est trop dégradée, en saison des pluies, on essaye de colmater certaines choses dedans. Remblai. Bon, dans le vrai sens, le remblai, ce n'est pas la bonne saison. Mois d'août, mois de juillet, ce n'est pas la bonne saison. Si ça s'est fait, puisque vous êtes journaliste, c'est vous qui faites les investigations, je crois que ceux qui le font, ce n'est pas normal. À la limite, c'est pas normal. Parce que le problème majeur dans notre pays, on a vu plusieurs fois, on est dans ce cycle vraiment regrettable. Quand on fait quelque chose, aujourd'hui, demain, on refait. C'est parce que c'est Certainement, pas bien fait pour la première fois. justement, votre question est répondue. D'accord, Donc, donc c'est pas le bon moment.
Justement, ce n'est pas le bon moment. Donc il faut des spécialistes pour faire comprendre aux autorités que ce ne sont pas les bons moments. Certainement, ce sont les spécialistes qui le font. Oui, mais des vrais spécialistes. Quand on est spécialiste, on ne peut pas s'hasarder à faire ce genre de truc. Je ne sais pas. Vous avez peur de critiquer, monsieur. Non, c'est pas que je suis... Mon frère, en plus d'un an, j'ai déjà dit l'essentiel. Vous comprenez? Ceux qui ont intérêt à ce que ce pays-là s'améliore doivent se donner la main pour que le pays-là s'améliore. Mon frère, je le dis haut et fort. Ce que je fais, je me sens à l'aise dedans. Parce que quand je suis seul à la maison, je me dis que, très sincèrement, Dieu le sait, je fais ce que je peux faire. Je le dis très sincèrement. Et je continuerai toujours à le faire. D'accord. Monsieur... Et je crois que, donc, à l'instar de ma modeste personne, il y a tant d'autres qui pensent comme ça. Je crois que comme j'ai toujours dit, la construction routière, c'est comme un match de football. Il y a une première mi-temps, il y a une seconde mi-temps. Première mi-temps, même en football, quand vous marquez beaucoup de buts en première mi-temps, en seconde mi-temps, quand vous ne savez pas consolider votre avance, vous serez rattrapé par le camp adverse. Dans la première mi-temps, on peut construire beaucoup de routes. C'est ce que j'appelle la quantité. Je vous ai dit tout de suite là, globalement, pour que les routes rapportent au pays, contribuent dans le développement économique, culturel, globalement dans le développement d'un pays, il faudrait de la quantité, il faudrait de la qualité, il faudrait de la sécurité. D'accord. Maintenant, j'ai tout dit. Je crois avoir tout dit. Donc, je crois que, vous voyez, c'est comme si les mots me manquent, parce que l'essentiel est dit. Je suis un technicien. Je ne suis pas habitué au verbiage inutile. Donc, c'est ça. Monsieur Balamoussa Konaté est spécialiste en pont et chaussée. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Le débat il est très intéressant. Quel est votre dernier mot dans cette émission? Bon, mon dernier mot, c'est un mot simple. J'ai pris les Guinéens de se donner la main, que chacun contribue à la hauteur de ses capacités. Quand on donne tout à son pays, on n'a jamais perdu. On est martyr si vous laissez votre peau. Quoi de plus normal? Les Américains, les Français, bref, l'humanité, quand il y a une maladie, ce sont les mêmes produits qui traitent nos semblables aux États-Unis, en France, en Norvège, etc. Je crois que ce sont les mêmes produits qu'on peut administrer à un Guinéen, à un Rwandais, à un Togolais, à un Burkinabé, etc. Je crois que c'est à travers la science, le savoir, que dans les pays du Nord, il y a eu des progrès énormes. C'est dans le courage, c'est dans le sérieux que beaucoup d'avances, qu'il y a eu beaucoup d'avancées dans beaucoup de pays. Je crois qu'on peut s'approprier de la même chose pour faire développer chez nous. Le savoir, tout comme le manger, est un bien de ce monde. Essayons de tout faire pour que, alors, à travers tout ce que Dieu a donné comme providence à l'humanité, puisse nous permettre de vivre ensemble. Sinon, nous allons mourir comme des gens signifiants. Que Dieu préserve la Guinée contre ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Balamoussa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à ces millions de téléspectateurs, vous qui nous regardez partout dans le monde. L'émission Entretien prend fin avec Balamoussa Konaté. Il est spécialiste en pont et chaussée. Merci de l'avoir suivi et on se reprend jeudi prochain. Bonsoir à tous.